Alors, Lou, c'est une petite fille donc, qui est non verbale et non marchande. C'est une petite fille qui est pleine de vie, qui est très souriante, qui aime beaucoup, qui adore qu'on s'occupe d'elle et qui adore être entourée. Et ça nous porte vers le haut parce que c'est vrai qu'on se dit qu'elle a besoin de nous et elle nous le fait comprendre. Et voilà, après, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'activités avec elle parce que, elle est très. Comment dire? Je sais pas ce que tu veux dire. Bah, elle est très. Enfin, elle nous fait tout de suite comprendre qu'elle aime, en fait, même si elle ne parle pas. On arrive à comprendre tout de suite que c'est des beaux moments pour elle. Voilà, c'est une petite fille qui aime beaucoup la musique, donc on chante, on danse malgré le handicap. On essaie de lui rendre la vie la plus belle possible. On fait pas mal de sorties aussi en forêt parce qu'elle adore ça, elle adore être en poussette, elle adore faire les descentes à fond dans la poussette, elle rigole. Donc c'est C'est vrai vrai qu'elle aime que. beaucoup les sensations. Ouais. Elle a Donc. fait un baptême de l'air C'est vrai. il y a 15 jours et elle a beaucoup apprécié. Et Lou est accompagnée aussi d'un, on n'en a pas parlé, d'un andichien. On a accueilli un andichien il y a 2 ans dans notre famille. Donc c'est Homer, un super golden retriever de 3 ans qui lui apporte beaucoup, rien, enfin sa présence vraiment très importante. Quand il n'est pas à côté d'elle, elle le cherche. Et puis lui, il a tout de suite compris de qui il devait s'occuper. Donc c'est Lou, sa maîtresse. Et c'est vrai que c'est des moments de partage en famille. Voilà, en forêt par exemple, où voilà, Homer ne la quitte pas.